Nous sommes des camarades, des frères. On est tous là pour remettre sur le droit chemin celui d'entre nous qui s'en serait éloigné. Quelle que soit la douleur ou la difficulté, nous marcherons tous sur le droit chemin. Une amitié qui ne peut pas résister aux actes condamnables de l'ami n'est pas une amitié. Inosuke incarne la notion de fidélité. Et si on lui demandait ce qu'était la fidélité, il répondrait « c'est l'amitié ». Lui qui n'aura jamais tourné le dos à ses camarades, même dans des situations alarmantes, aura forgé sa légende dans la chair et le sang. Guerrier au sens propre du terme, ce féru de combat n'aura eu de cesse d'aller de l'avant. Peu importe l'adversaire qui lui faisait face. Allant de l'une supérieure jusqu'au roi démon en personne, le courage d'Inosuke ne se laissera jamais abattre. Mais au-delà de ses prouesses militaires, le garçon à la tête de sanglier n'aura pas échappé au passé tragique qui lie tous les pourfendeurs. Lui qui aura grandi sans famille, se mettra sans le vouloir en quête de rédemption. Et il risque en effet d'expier ses ressentiments au croisé du chemin de celui qui l'aura condamné dès sa naissance. Laissez-moi donc vous la raconter. Laissez-moi vous parler d'un garçon dont l'intrépidité et lèvera son héroïsme. Laissez-moi vous parler d'un guerrier pour qui l'amitié vaudra plus que la parenté. Laissez-moi vous parler d'un pourfendeur qui jouera un rôle crucial dans la délivrance de l'humanité. Laissez-moi vous parler d'Hashibira Inosuke. Ne pleurez pas même si vous avez des regrets. Peu importe à quel point vous vous sentez pathétique ou humilié, vous devez continuer à vivre. Pour comprendre les véritables origines d'Inosuke, il faut remonter à 15 ans en arrière. La vraie mère d'Inosuke n'est pas un sanglier, comme vous vous en doutez, mais bien une femme faite de chair et de sang. Âgée de 18 ans seulement, sa mère se faisait battre quotidiennement par son mari, ainsi que sa belle-mère. Ne supportant plus la situation, elle décidera de prendre la fuite avec son bébé, pour se réfugier au sein d'un culte, le paradis éternel. N'ayant plus de famille, elle n'avait nulle part d'autre où aller. Le gourou de la secte ne pouvait même pas voir les traits de son visage tant il était enflé par les coups qu'elle avait subis. Il remarquera également qu'elle avait partiellement perdu la vue à cause des raclées infligées par son mari. Alors il la touchera et son visage reprit sa forme initiale. La beauté de la jeune femme était telle qu'elle marquera à jamais le gourou. La mère d'Inosuke n'était pas très intelligente, mais en plus d'être extrêmement belle, elle chantait magnifiquement bien. Elle chantait souvent la même comptine en tenant son enfant dans les bras, l'air de la promesse du petit doigt. Mais un jour, cette dernière fera une terrible découverte sur son hôte. Le gourou n'était autre qu'un démon qui dévorait ses fidèles. Il lui expliquera son raisonnement. En les dévorant, il resterait à jamais à ses côtés et serait libéré de leurs tourments. Il ajoutera qu'il ne souhaitait pas manger Kotoa et voulait la garder à ses côtés jusqu'à sa mort. Mais cette dernière l'insultera avant de prendre son enfant pour s'enfuir du temple. Alors qu'elle s'enfonçait toujours plus profondément dans les bois, elle finit par se perdre dans l'immensité des feuillages. Elle se retrouvera au bord d'une colline, serrant son enfant dans ses bras. Sentant le démon s'approcher, elle prendra la décision de jeter l'enfant de la falaise, dans l'espoir qu'il survive à la chute, car elle était condamnée. Ce n'est pas en jetant en bas d'une falaise que tu l'aurais sauvée. Mais décidément, tu aurais été une idiote jusqu'à la fin. Mais son pari portera ses fruits et le jeune garçon survivra à la chute avant d'être cueilli par des sangliers qui l'élèveront. Les années passeront, Inosuke ne fera qu'un avec la forêt. Élevé par des animaux, il deviendra une véritable bête sauvage et développera des capacités surhumaines. Un jour, il croisera un pourfendeur dans la montagne. Inosuke défiera ce dernier pour savoir qui était le plus fort. Il remportera évidemment le combat et récoltera l'arme de ce dernier en récompense. Ainsi, il en apprendra plus sur les démons et sur les pourfendeurs et décidera de se joindre à leur cause. Le temps passe et les rencontres avec l'espèce humaine se multiplieront pour Inosuke. Il se liera d'amitié avec deux jeunes gens de son âge, un blondinet froussard et un garçon à la mystérieuse cicatrice qui trimbalait une boîte sur son dos. À eux trois, ils feront face à de nombreux obstacles et parviendront constamment à les surmonter. Mais un jour, les choses s'enchaîneront. Pour avoir plus de détails, je vous invite à visionner les nombreuses autres vidéos sur Demon Slayer que j'ai réalisées. La bataille finale avait sonné. Tous les piliers ainsi que les pourfendeurs
leader feront face aux lunes supérieures et à Muzan. Inosuke, quant à lui, interviendra dans la confrontation entre Doma, la seconde lune supérieure, et Kanao, qui faisait face aux démons pour venger Shinobu qui avait déjà perdu la vie, absorbée par la lune démoniaque. Kanao confrontait le démon, sans pour autant prendre l'avantage, et elle finira par s'essouffler. Doma aura l'occasion de subtiliser la lame de la pourfendeuse. Dos au mur, et sans lame pour se défendre, Kanao était dans une situation critique, et alors qu'elle pensait que c'était terminé, le sol tremblera, et le plafond se brisera, laissant apparaître ce diable d'Inosuke. Il dissipera l'attaque de la lune supérieure, avant de débuter son cirque habituel. Hey, toi, ton secret a été découvert. T'es la lune supérieure numéro 2. Maintenant, je sais que t'es la deuxième en portant du haut. Si je te bats, c'est la promotion assurée, je serai un pilier. Inosuke continuera son monologue expressif, avant d'apprendre que Shinobu avait déjà succombé et son assassin se tenait là. Mais bien sûr que non, elle vivra en moi pour l'éternité. C'est ainsi que sont tous ceux que je mange. Je les sauve, je les mets à l'abri des souffrances. Ils trouvent le bonheur en moi. Je vais bouffer de mes 30 pieds sans dur. Inosuke entamera le premier assaut. Il semblait que sa rage avait pris le contrôle, mais en réalité, c'était tout le contraire. Il utilisera le quatrième mouvement du souffle de la bête. Doma sera surpris par le chaos désordonné de son attaque. Il tentera alors de trancher le pourfendeur, qui bloquera l'attaque grâce à sa souplesse prodigieuse avant de reculer. Son réel but n'était pas de blesser le démon, mais simplement de récupérer la lame du soleil de Kanao, chose qu'il fera avec succès. Intrigué, Doma chargera cette fois-ci, mais il sera à nouveau repoussé par Inosuke. Le pourfendeur saisira sa chance en entamant une attaque à plusieurs mètres de distance. Doma n'y croyait pas, il ne pouvait pas l'atteindre de là où il se tient, mais c'était sans compter sur la souplesse du 9e mouvement du souffle de la bête qui tailladera le démon. La lune supérieure réalisera ainsi que le pourfendeur qui se tenait face à lui était exceptionnel, assurant qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un tel que lui au cours de sa longue vie. Mais en un instant, Doma s'emparera du masque d'Inosuke, laissant entrevoir le visage de ce dernier. Le pourfendeur lui ordonnera de lui rendre, mais le démon était intrigué par son visage. Il était persuadé de l'avoir déjà vu quelque part. La lune démoniaque trifouillera son cerveau et ses souvenirs reprirent forme. Ce garçon, il avait le même visage que la jeune femme qui était venue se réfugier au sein de son temple il y a de cela 15 ans. Agacé, Inosuke tentera de récupérer son bien par la force. Mais lorsque Doma s'y met sérieusement, il est malheureusement injouable et le jeune garçon se fera gentil calmé. La lune continuera son flot de paroles avant de mentionner la fameuse comptine que sa mère chantait à Inosuke. Tout se clarifiait dans l'esprit d'Inosuke, comprenant que sa mère a été assassinée, qu'elle existait bel et bien, qu'elle lui a été prise sans lui laisser la chance de la connaître. Le démon qui a tué ma mère et ma camarade est juste devant moi. Je ne vais pas me contenter de décapiter, non. Je vais te donner un avant-goût de l'enfer. Inosuke ne versera pas ne serait-ce qu'une lame. Non, il préféra manifester ses émotions par la haine et la colère, manifestant une rage incommensurable. Doma se moquera de lui, affirmant que l'enfer et le paradis n'est qu'une invention puérile, une chimère qui n'existe pas. Mais Inosuke n'en aura que faire. Si l'enfer n'existe pas, alors il le créera pour lui. Et ainsi, le combat explosa. Doma enverra une nuée gelée, qu'Inosuke bloquera avec les crocs tournoyants. Kanao en profitera pour assiéger le démon, qui repoussera aisément cette dernière. Doma apprendra entre-temps qu'Akaza avait été vaincu. Il ne pouvait plus se contenter de jouer. Il enverra alors des clones aussi puissants que l'original, pour s'occuper des deux jeunes pourfendeurs. Inosuke repoussera comme il peut les assauts de ces derniers. Mais tandis que Doma en profitait pour s'en aller, son visage était en train de fondre, puisqu'en effet, Shinobu avait calculé son coup en amont. Elle comptait se faire absorber par le démon pour lui infuser un poison de fleurs de glycine qu'elle accumulait dans son corps. Doma s'écroulera au sol d'agonie et son pouvoir sanguinaire commençait à faiblir également. Inosuke et Kanao sauteront sur l'occasion pour achever le démon qui, malgré la douleur, aura encore les capacités d'invoquer un immense Bouddha de givre. La technique de la lune enverra valser nos héros qui, à leur tour, utiliseront leur dernier Vatu. Kanao manifestera les yeux du licorice rouge, lui ouvrant un passage afin d'entamer le coup du démon. Mais ce n'était pas assez profond. Alors, Inosuke, de par son ingéniosité, enverra ses deux lames tournoyer afin d'insuffler le dernier effort pour venir à bout du démon. Et ainsi, Doma se fera décapiter par les trois lames des pourfendeurs. Que la gueule, foiré. Je t'ai mangé.
Après avoir exalté de joie, étant venu à bout du troisième démon le plus puissant, Inosuke finit par réaliser ce qu'il venait de se passer. Il avait une mère, lui qui assurait ne pas en avoir, et elle était morte pour le protéger. Et ainsi, pour la première fois, des larmes de tristesse coulaient le long de ses joues. Une bataille était remportée, mais la guerre n'était pas pour autant acquise. Il restait un ultime adversaire qui ne comptait pas faire offrande de la victoire au pourfendeur. Après s'être remis de ses blessures, Inosuke n'hésitera pas à sauter à nouveau dans le combat, en confrontant cette fois-ci le roi démon Muzan, aux côtés de Kanao et Zenitsu qui étaient venus épauler les piliers. Inosuke ne perdra pas la face. Peu importe celui qui se tiendra en face de lui, il le provoquera sans peur. Cela valait également pour Muzan. Peu importe les blessures qu'il aura subies, peu importe les dommages encaissés, peu importe l'énergie qui lui restait, il continuera d'attaquer sans cesse, rechignant aucun effort. Véritable bête sauvage, il semblait infatigable, se relayant avec ses camarades pour qui il donnerait sa vie sans hésiter. Inspirant et inspiré par ses semblables, il était hors de question d'abandonner si près du but. Et mourir sans regret était son seul objectif à ce moment-là. Se tenant seul face à Muzan, Inosuke tremblera, mais certainement pas de peur. Non, il tremblait de colère. Ce monstre leur avait tout pris. Les bras, les jambes, les vies, tout. Il doit les leur rendre. Et s'il ne peut pas, alors il souffrira 1 million de morts en compensation. Voilà qui était Inosuke. Il continuera encore et encore à se relever, à tenir tête au roi démon en personne encore et encore. Il n'abandonnera pour rien au monde encore et encore. Puis, à force de persuasion, Muzan sera vaincu par l'usure des pourfendeurs. Mais avant de disparaître, il transmettra sa volonté en Tanjiro, devenu le nouveau roi démon. Mais même à ce moment-là, il était impossible pour Inosuke de rester sans rien faire. Après avoir subi des douleurs inimaginables, étant probablement celui qui a le plus subi de dégâts dans cette guerre aux côtés de Sanemi, il était encore debout, là, pour faire barrage et tenter de raisonner son ami le plus proche. Il y arrivera finalement, aux côtés des derniers survivants du massacre. Malgré les blessures impressionnantes, Inosuke survivra à celle-ci, sans pour autant perdre son appétit véloce. Il finira ainsi sa vie aux côtés de sa nouvelle et unique famille, aux côtés de ceux qu'il aime, aux côtés de ceux pour qui il aurait donné sa vie. L'amitié ne rend pas le malheur plus léger, mais en se faisant présence et dévouement, elle permet d'en partager le poids et ouvre les portes de l'apaisement. Cette citation est d'autant plus réelle pour toi, Inosuke. Tu auras porté les fardeaux des tiens afin de soulager leurs douleurs et angoisses. Cela aura été possible de par ton courage et ta témérité. Tu étais le plus intrépide de tous. Incarnant le stoïcisme et l'héroïsme, tu es sans aucun doute le plus téméraire des guerriers. Certes, au cours des différents récits, les personnes que j'ai pu traiter étaient tous aussi uniques qu'impressionnantes. Mais toi, Inosuke, mais toi, tu es tout simplement époustouflant. Je pense que nous avons tendance à sous-estimer tes exploits, car tu les réalises avec une facilité déconcertante, qui nous amène à penser que c'est simplement normal, logique, mais la réalité est tout autre. Créer son propre souffle, ainsi qu'une dizaine de mouvements qui en découlent. Vaincre la seconde lune supérieure, confronter le roi démon en personne et oser lever la voix sur lui. Mais le plus bouleversant aura été ta capacité à rester fidèle aux tiens, à ne pas leur tourner le dos quand ils en avaient besoin, à braver la mort pour leur permettre de vivre. Tu es un ami comme on n'en fait plus, et nous rêvons tous d'avoir un Inosuke dans nos vies, car nous saurons que peu importe les épreuves que ce monde nous façonnera, nous aurons une épaule sur qui compter, une main à saisir en cas de doute, et un ami sur qui tout miser. Alors merci Inosuke, merci d'exister, merci de nous faire rire, merci de nous faire pleurer, merci de nous avoir sauvés, merci d'être toi, merci d'être le plus fidèle des alliés. Bon voilà, j'ai kiffé faire cette vidéo sur Inosuke. En toute honnêteté, je trouve que Demon Slayer est l'un des rares mangas pour qui j'éprouve un amour inconditionnel pour le trio principal. Que ce soit Inosuke, Tanjiro ou Zenitsu, je les aime tous à leur manière. Et il serait impossible de faire un choix tant ils sont tous uniques et attachants. Aux côtés de Sanemi, je pense que l'on peut tous affirmer qu'Inosuke est le gigacha du manga.
L'écriture et le montage de cette vidéo m'a pris pas mal de temps. Du coup, si tu pouvais liker et t'abonner pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Tu peux aussi me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette story et me proposer d'autres personnages à traiter. Il y a également mon Insta pour voir ma grosse tête, le Twitter pour me parler directement, le TikTok où je fais du contenu original et le Discord où pas mal de choses se passent en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out!